Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour le tirage du mois de décembre 2021. Alors, les tirages général. Ce sera le tirage général, celui-ci. On va voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui sort en dominance de ce tirage. Ça va parler à certains, peut-être pas à d'autres, mais je pense en général, oui. Sinon, il y a une partie des énergies. Je vais faire un tirage avec l'oracle du sixième sens, couvert avec le dixième oracle pour voir exactement de quoi ça parle, et puis un petit peu de sentimental à la fin. Et restez jusqu'au bout pour votre message des fées et le message du jour que je vous donne en supplément. Donc, on est le jour, on est mardi. Vous avez un message spécifique pour ce signe aujourd'hui. Alors, on va voir justement quel signe sera pour aujourd'hui. Nous sommes le mardi, donc pour décembre, je vais prendre celui-ci. Les taureaux. Ah, les taureaux, donc c'est intéressant parce que si j'ai bien compris, il y aura la pleine lune là qui arrive le 19. Donc vendredi, je vais faire une vidéo aussi sur cette pleine lune pour chaque signe, comme je fais avec vos messages particuliers. Quels sont les impacts et les messages pour votre signe? La pleine lune sera en taureau. Donc bienvenue au taureau ascendant et lune en taureau pour ce tirage. Alors, vous avez un message, on nous dit de créer une structure. Donc, il y a toujours un message, pensez à ça si ça vous parle. Créer une structure, créer quelque chose, créer une base, créer une maison, mettre sur pied la base de quelque chose, c'est ce que je ressens. On nous parle de 2 semaines ou de 2 mois, les taureaux. Ça peut bien sûr vous donner un éclairage déjà ou des réponses par rapport à ce mois de décembre. 2 semaines, 2 mois. Pensez bien à ce mois de décembre. On va regarder ici. Les énergies, donc avec le tarot psychique, les taureaux en décembre 2021. Les taureaux en décembre 2021. Décembre 2021. Vous pouvez aller regarder la vidéo du portail entre le 11 et le 22 novembre, qui est intéressant, parce que c'est aussi un portail. C'est des énergies spécifiques entre ces deux dates, qui sont très très fortes. Ces deux portails, en fait. Plus la pleine lune au milieu. Hein, taureau en décembre 2021. On va prendre encore une carte. Bienvenue sur les guidances de Shiva. N'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit pour vous. Et cliquez la cloche à droite en haut pour recevoir les vidéos. Donc ça vous coûte rien et ça nous soutient avec grand grand plaisir. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez m'écrire sur le mail qui est sous la vidéo. Donc je vous réponds rapidement en 2-3 jours. Et c'est bon, c'est pas cher aussi. Et c'est rapide, donc n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Alors, un message ici, angélique. Taureau en décembre 2021, qu'est-ce qu'il nous donne comme information? Taureau en décembre 2021. Taureau, oups, taureau en décembre 2021. Alors, recovery qui s'est retourné. Ouais, vous devez, moi je vais la garder parce qu'elle s'est bien retournée. Vous retrouvez. Vous remettre de quelque chose, retrouver la santé, taureau en décembre 2021, pour avoir du succès au final, c'est très très bien ça, c'est très 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 bien. Bah, recovery, on va commencer par les messages angéliques, et bon, c'est pas grave, on voit qu'on fait de la méditation, qu'on prend soin de soi, qu'on est en position de yoga, position de calme, on retrouve notre alignement ici. Donc on voit que pour vous, en décembre, ce sera important ou que vous allez retrouver un certain alignement, un certain équilibre en vous. C'est retrouver aussi la santé. Et ça vous mènera au succès. Il y a le succès qui arrive si vous êtes en attente depuis un moment. Et je pense que oui, parce que je connais les taureaux. Ils sont en attente tout le temps, tout le temps, toute l'année. Et c'est pas de chance. C'est pas de chance, mais ça ne doit pas être évident. C'est vrai que je le vis aussi, donc c'est pas du tout évident. Alors, on a une carte qui nous parle que vous êtes dans un état d'esprit de. Vous avez des souvenirs du passé, vous allez avoir peut-être on dit mémoire d'amour du passé ici, soit en mémoire de défunt, soit en mémoire d'une personne, amour, d'un amour passé que vous avez vécu, qui peut revenir, qui peut vous amener peut-être de la nostalgie, ou
En tout cas, vous allez y penser. Hein? Vous allez y penser. Et puis, vous avez des choix à faire. Alors, choix, je dirais pas forcément. C'est pas la carte du choix. Il y a différents domaines de dans votre vie comme dans la vie de chacun. On nous parle de changement dans ce mois de décembre. Il y a du changement qui va s'opérer dans un domaine. On devra, oui, il y a quand même des choix à faire. Ouais. Mouvement, choix, décision. Ok? Donc des changements qui arrivent, il y a du mouvement, ça va bouger. Vous aurez des choix à faire dans un domaine particulier. Bon, prendre des décisions, c'est un peu la même chose. On doit se décider, prendre une route, laquelle. Puis là, ça nous parle de différents domaines aussi. Famille, amour, travail, argent, etc. Bon, je ne sais pas pourquoi on me parle de ces souvenirs d'amour du passé. Quelques messages ici d'information. Alors, on va voir par la suite avec cet oracle-là, l'oracle du sixième sens, donc le taureau en décembre 2021. Qu'est-ce qu'on a comme message? Taureau, décembre 2021. Taureau, en décembre 2021. Qu'est-ce qu'on a comme message? En décembre 2021. Vous avez les tirages de la semaine que vous pouvez aller voir, bien sûr, et le tirage du portail. Parce qu'on est en plein dedans, hein. On est en train de vivre entre le 11 et le 22, on est dedans. Donc je conseille d'aller écouter parce que j'ai l'introduction, le choix, voilà. Des choix pour les taureaux. Il y a des messages importants, spirituels et surtout astrologiques aussi de ce qui se passe. Est-ce que ça va impacter sur nous? Taureau en décembre 2021. Taureau, décembre 2021. Oui, il y a quand même eu des soucis de santé, de fatigue, moralement. On voit que vous sortez les taureaux de cette difficulté. Soit ça peut être quand même mental ou physique. Ça ira beaucoup mieux. On voit qu'il y a une. On retrouve cette santé. Taureau, décembre 2021. Il y a eu beaucoup de patience, beaucoup d'attente. Hein. On me disait même dans les commentaires, mais on parle beaucoup de patience pour les taureaux. C'est vrai. Hein. Des démarches administratives aussi que vous attendez. Un petit peu comme les Capricornes. Allez, encore une dernière carte. Taureau, décembre. Taureau, décembre 2021. Encore une carte, s'il vous plaît. Taureau, décembre 2021. Décembre 2021. Oh, il y en a une autre qui va sortir quand même. Alors, on va voir tout ça. Après, je vais. Ouais, il y a le déménagement. Ça parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est drôle parce que j'arrive à me rappeler quand même, sans vantardise, à certains signes de ce qui s'est passé les mois précédents ou de ce que j'ai dit qui est assez redondant, qui revenait pas mal dans les tirages de mois en mois, ou une espèce de trame. Je voyais beaucoup le déménagement pour les taureaux. Hein. Changement de maison, changement de lieu. Voilà. Là, on parle que vous allez avoir un choix déjà pour ces premières cartes de, à nouveau, de changement de lieu ou de déménagement. Déménagement. Déménagement, oui. Changement de lieu de travail. Partir de chez ses parents. Partir de.
de là où vous êtes, trouver une autre maison. Mais ce sera donc à faire par rapport à plusieurs choix. On va regarder quand même la suite, hein. Alors, ça peut être aussi déménagement pour aller vers une passion. Alors, ça, ouais, il y a la maladie, la trahison. Alors, moi, je sens qu'il y a un mouvement de l'avant pour aller vers votre passion, pour aller vers quelque chose que vous avez envie de faire profondément depuis longtemps. Passion qui peut être un amour, créer une famille, recréer une famille. Ça peut être aussi se mettre à son compte, sa formation, etc. La trahison, la santé me dit que vous avez porté un masque pendant très longtemps, et ça je l'ai aussi dit, que vous étiez trop gentil pour les autres, souvent vous vous adaptiez aux autres, vous ne teniez pas forcément compte de vos avis, même si vous êtes très têtu, qu'il y avait une certaine loyauté par rapport à certaines personnes. Donc par exemple, ouais, on vous dit tu dois travailler dans cette maison parce que c'est la maison de tes parents, et puis vous le faisiez. Même si ça vous plaisait pas. Et moi, je vois que ça vous a pas rendu bien. Vous avez porté comme un masque. C'est ça, on n'est pas totalement honnête avec cette carte-là. On se trahit soi-même ou les autres parce qu'on n'est pas entier. Là, quand je vous disais, vous allez retrouver un alignement avec vous-même ce mois de décembre, ce qui est très bien, qui vous apportera du succès. Parce qu'on voit que ça vous a rendu malade, j'ai l'impression, pas bien, d'être dans une certaine fausseté. Ça, je l'ai souvent dit, hein. C'est pas méchant, mais de pas être totalement juste avec les autres. J'ai eu beaucoup de retours dans les tirages, et ça, j'ai adoré. Et je vous dis un grand merci de personnes qui disent, mais oui, c'est vrai, vous avez raison, j'ai pas confiance en moi. Oui, c'est vrai, je dois travailler sur ce domaine-là. Oui, c'est vrai, ta, ta, ta. Alors qu'avant, c'était, oh, mais c'est négatif au tirage. Donc, moi, je dis ce que je sens pour évoluer. C'est pas, voilà, tu vas déménager, tu vas avoir un travail et tu auras un amour. Ça reste pas là, on va un peu plus profondément comme beaucoup. Donc, moi, c'est ce que je ressens, c'est que vous allez vraiment faire ce mouvement de choix d'aller de l'avant. Donc, le choix, c'est quand même en rapport avec vous, vos désirs, vos propres envies, et ça va vous rendre en meilleure santé. Il y a peut-être des remontrances du passé qui reviendront, mais vous allez vers le succès, vous allez vous aligner à votre vrai moi, plus de faux-semblants, plus de masques, et ça peut être un travail ou une famille qu'on a envie de construire. Vous allez retrouver un certain prestige, c'est-à-dire les deux cartes qui sont tombées, la fusion, la dispute, l'instabilité. Alors, vous avez envie de retrouver un certain prestige, ça veut dire qu'on aura une certaine reconnaissance de qui vous êtes aussi par rapport à cette affirmation de vous-même, de faire vos choix, hein, ce mois de décembre. Alors, ce que je disais aussi avant, c'est sorti deux fois. Il y aura un positionnement à prendre, des décisions à prendre, et on voit qu'il y a un mouvement vers quelque chose que vous aimez, qui est plus que vous aimez, qui vous passionne. C'est justement un travail, une activité ou une famille. On n'est plus malade, on s'en sort. Hein? Sinon, si on continue, on se rendra malade. Si vous continuez à porter ce masque. Mais moi, je vois qu'il y a une amélioration de votre santé, un alignement où on se retrouve soi. Et on est ancré et on est aligné avec toutes nos énergies. Vous voyez, de notre âme, corps et esprit. Quand je disais retrouver le prestige ici, c'est retrouver un honneur. L'honneur, le prestige, c'est aussi je veux briller aux yeux des autres, je veux qu'ils voient qui je suis, je veux qu'ils soient, qu'ils aient confiance, qu'on me reconnaisse. Il y a une certaine notion de reconnaissance. On voit effectivement aussi qu'il y a beaucoup de changements en ce mois de décembre, je l'ai dit. Et ça sort dans presque tous les derniers tirages que j'ai fait, cette carte. On passe de l'énergie quand même grise, difficile, à une belle éclaircie qui va faire du bien à beaucoup, hein. Une éclaircie, une amélioration. On nous dit quand même, il vous faudra pas, ce sera pas facile, pas tout facile, facile, parce que c'est comme si vous êtes sur une, actuellement peut-être encore dans une situation instable, donc soit dans une maison, un travail, une relation où ça tient, mais ça risque de tomber très vite. Donc qui est en lien avec quelqu'un? En lien, il y a à nouveau cette notion de fusion, cet équilibre. Il y aura des disputes.
Il y aura des disputes, moi je pense, parce que vous allez vous affirmer, vous positionner, avoir le courage d'aller vers ce que vous voulez, d'aller vers ce que vous voulez, vers les choix qui vous conviennent à vous. On doit vraiment se positionner maintenant, il y a plus trop d'alternatives. Ouais, il y a de l'instabilité, il y a des disputes. La fusion, ça me fait penser à un lien ou à un équilibre. À retrouver un équilibre avec autrui. Dispute avec autrui, avec famille, avec partenaire, avec travail, quelque chose comme ça. Il faudra persévérer, hein, parce que pour le moment, on me dit que c'est quand même instable. Je vais voir, on va couvrir avec le 10 oracle pour voir ce que ça m'en dit en supplément. Donc, je vais demander pour les Taureau, décembre 2021. Taureau, décembre 2021. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors, une carte sur le déménagement, une carte supplémentaire sur le choix, sur la passion, sur la trahison, les taureaux, une carte sur la santé, une carte sur le prestige, une carte sur le changement, une carte sur la force. Parce que la situation est peut-être encore un petit peu instable en ce moment, mais elle va devenir plus sereine, pérenne, stable, alignée. Je dirais plus à la fin du mois. C'est peut-être pas encore le cas. Une carte sur la dispute. Ok. Donc là, ces petites cartes, elles recouvrent les grandes cartes, ce qui sont. Moi, j'aime bien. Parce qu'on a toujours bien le message du dessous. Alors, déménagement. Il faudra trouver une solution ou bien on a la clé du déménagement qui va avec, qui peut être en résonance. Ok. Donc, vous allez, si c'est quelque chose que vous voulez depuis longtemps, vous aurez cette réponse. Voilà. Vous aurez cette réponse pour ce déménagement, c'est important. Vous allez avoir la clé. Vous allez devoir trouver des solutions. Vous allez devoir trouver comment ou pour partir. Ça peut être ça aussi. Au niveau du choix, c'est bien ce que je disais. Là, je ressens, je ne sais pas comment vous l'interprétiez. Est-ce que vous allez faire un choix par rapport aux amis? Non. Peut-être pour certains. On peut choisir ses amis, certains, on peut les mettre de côté, d'autres non. Mais moi, je sens ici cette loyauté que je vous disais tout à l'heure. Le chien, il est loyal à son maître. Il est fidèle à son maître. Et si vous allez devoir faire un choix qui va peut-être à l'encontre de cette loyauté que vous aviez par rapport à des personnes, je vous ai dit, vous faites peut-être quelque chose, les taureaux, pour autrui, pour faire plaisir à autrui par loyauté, pas forcément par plaisir, plutôt par loyauté. Parce que c'est comme ça, parce que c'est familial, nanana, mais c'est pas forcément ce que vous voulez. Donc moi, je vois un choix que vous prenez, une nouvelle route que vous prenez par rapport à la loyauté, par rapport à des personnes envers lesquelles vous êtes loyal. Prendre votre indépendance. Bon, prendre une nouvelle route par rapport à eux. Sur la passion, il y a la lune. Donc, soit on nous dit d'écouter bien son intuition pour aller vers, écouter son, oui, écouter ben, ce qu'on a dans notre ventre, dans notre cœur, pour aller dans cette direction-là. Ou la lune nous dit qu'il y a des choses qui sont cachées. Mais je ne sens pas du tout comme ça ici avec cette carte. Je sens une carte positive. C'est j'écoute mes ressentis à nouveau, mon besoin. Et mon besoin de m'affirmer pour aller vers mes passions, à moi. Alors, la trahison, là, avec le cœur dessus, d'être dans les faux semblants, moi, je ressens l'importance que les taureaux, vous avez besoin de vous donner beaucoup d'amour, de vous aimer tel que vous êtes, de pas faire plaisir pour être aimé. Plus besoin d'être faux. Soyez vous-même. Faites ce que vous avez envie de faire, dites ce que vous avez envie de dire, allez où vous voulez aller. Faites pas pour faire plaisir et faites pas semblant. Voilà, j'ai connu des taureaux et c'est vrai que ça me parle effectivement. Là, on me dit aime-toi, c'est ce que je ressens. Sur la santé.
Alors, il y a l'abondance. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a exactement ça. Ouais. Une recovery de la santé. On va retrouver une bonne santé. On va retrouver une abondance d'énergie. OK? Le prestige. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive que vous allez mettre sur pied. Quelque chose de nouveau avec la cigogne. Ça peut être la naissance. Donc, sur le prestige. Je dirais la naissance de quelque chose qui se met sur pied, qui vous apportera du succès. Voilà. Vous décidez un nouveau champ, vous commencez quelque chose, ça vous apporte du succès. Le changement du gris au bleu que je vous ai dit, il y a un changement ce mois de décembre. On passe vers une éclaircie. Le soleil est dessus. Il y a une belle éclaircie qui se fait pour les taureaux. Sur la force, on a le lys. Donc on a ce côté. De valeur, il y a des valeurs. Le lion, c'est très royal ces deux cartes. La force, le lys, vous allez agir avec des valeurs, avec une certaine noblesse, vers une certaine beauté, vers une certaine justesse. Voilà, c'est des belles cartes, hein. Sur l'instabilité, alors vous êtes protégé. S'il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer ou qui risque de s'effondrer, que ce soit ben voilà, votre foyer, votre couple, votre relation familiale ou quelque chose d'autre, vous avez une protection dessus. Donc, il y a des difficultés, mais ça ne va pas être un drame parce que vous êtes protégé par l'univers. Sur la dispute, j'ai le jardin. Donc, il y aura peut-être des conflits avec des gens dans un lieu public, où il y a eu des disputes en rapport à un travail, à un lieu où il y a du monde. Le jardin, c'est le lieu qui est où il y a du monde. Donc, il y a des problèmes. Il y a des disputes, ça risque d'être conflictuel, peut-être parce que vous vous affirmez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, face à des personnes. Je vais recouvrir maintenant pour le sentimental, rester jusqu'à la fin pour les conseils. Et au niveau sentimental, on va aussi voir de quoi ça parle. Là, ça sort vraiment, je quitte cette loyauté, je retrouve mon équilibre, je m'affirme, je m'aime à nouveau, je vais vers ma passion, je suis sur mes valeurs. Il y a de l'éclaircie dans l'air, c'est très bien. On retrouve notre santé. Waouh! Taureau, décembre 2021. Taureau, décembre 2021. Qu'est-ce qu'on a en amour? Taureau, décembre 2021. Qu'est-ce qu'on a en amour? Taureau, décembre 2021. Alors. Alors, retour du passé, donc soit d'une situation passée qu'il va falloir régler en amour, ou soit il y a le retour de quelqu'un, si vous êtes en espoir d'un retour du passé. On parle de vous. Oui, on parle de choses à faire par rapport à l'amour. Donc, soit vous choisissez prendre une direction, elle a sorti trois fois le choix. Hein. Donc, je fais le choix de faire une famille, je fais le choix de retourner avec le passé, je fais le choix de rester seule. Quel choix allez-vous vous prendre en rapport avec vos envies? On vous dit qu'il y a eu des choses cachées, effectivement, qu'il y a eu un peu de fausseté. C'est sur la carte du masque. Hein. Alors, les choses cachées, les mensonges, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Vous voyez? C'est drôle comme des fois ça s'aligne tout simplement, très très logiquement. peut-être aussi retrouver votre unicité et honnêteté. Ne jouez pas pour faire plaisir, parce que je sais que quand vous éclatez de colère, parce que vous avez retenu beaucoup, ça clash, hein, très fort. Oui, bon. Il peut y avoir des mensonges, c'est pour ça, ou de la fausseté dans votre couple. On nous dit qu'il y a une histoire de destinée. Cette relation fait partie de votre chemin de vie. Vous devez passer par là. Passer par cette histoire qu'une personne porte un masque. Il y a eu de la fausseté dans vos relations de couple et vous avez un choix à faire. Donc, soit c'est un problème qui revient dans votre vie, soit c'est une personne du passé qui revient de votre vie pour régler ce problème. Un des deux a un masque, donc il y a de la fausseté dans la relation. Voilà. OK? Il y aura quelque chose à régler. On va regarder votre conseil du jour. Donc, on est mardi. Alors, on nous dit, commence à être créatif. Donc, mettez sur pied ce que vous voulez. Ouais, put down a marker. C'est écrit la chose sur un papier, pose la chose dans la matière,
pose la base, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, hein, create a structure, créer la base de ton futur. Cela, vous allez vers ce que vous voulez, vous. Alors, un conseil pour les taureaux en décembre. Un conseil pour les taureaux en décembre. Conseil pour les taureaux. Taureau, décembre 2021. Taureau, décembre 2021. Taureau, décembre 2021. Patience, vous allez dire encore. Ben voilà, tous les mois, vous avez ce conseil. Vous allez dire, mais encore, mais je suis désolée, patience please. Voilà, que dire de plus? Comment faire venir ce papillon sur son doigt? Eh bien encore petit à petit, patienter. Ça a pris un bon bout de temps, mais il y avait beaucoup de choses karmiques à régler chez les taureaux. voilà, ce que tu as demandé est en train d'arriver, ayez encore la patience. Et ayez un focus que tous tes besoins seront remplis, tes besoins seront accomplis. Voilà mes chers amis taureaux, merci pour vos retours, comment ça résonne en vous, j'espère que ça va vous parler, vous aider pour ce mois de décembre. À bientôt pour les tirages sentimentaux, au revoir.